Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 20 mars et je vais vous parler d'une période qui est commune au calendrier occidental et au calendrier traditionnel chinois. Vous l'avez deviné, il s'agit de l'équinoxe. Alors en Occident, c'est l'équilibre entre jour et nuit. En Chine, c'est le milieu du printemps qui a commencé le 1er février. C'est le moment où le soleil va faire revivre toutes les plantes et les herbes qui poussent irrésistiblement, quelle que soit la difficulté. Le caractère qui représente le printemps est composé d'ailleurs en haut de la clé de la plante et en bas de la clé du soleil, comme vous pouvez le voir ici. Alors, il y a une fleur qui relève hein, ce défi du printemps, c'est vraiment la fleur de prunier qui peut émerger dans les derniers froids et même les dernières neiges de l'hiver. Et c'est pourquoi, en fait, cette fleur de prunier symbolise la persévérance dans la culture chinoise et en particulier dans le Kung Fu Wushu. Il y a une autre fleur hein, qui est très appréciée des Chinois, c'est la fleur de cerisier. Et tout le monde se rue hein, dans les parcs au printemps pour observer la floraison manifestant cette énergie printanière grâce à l'arrivée du soleil. Alors cette énergie du soleil est vraiment une force irrésistible hein, qui influence tous les êtres vivants. Et je voudrais vous parler d'un hexagramme du Yi Jing, l'hexagramme 31, qu'on peut traduire justement par l'influence. Il y a un grand commentaire qui écrit sur cet hexagramme: quand le soleil s'en va, la lune vient. Quand la lune s'en va, le soleil vient. Le soleil et la lune alternent, ainsi naît la lumière. Alors, appliqué aux émotions humaines et à leur instabilité, cet hexagramme nous parle aussi du moment où le remords disparaît et où arrive une certaine lumière, la lumière de la constance qui fait que le cœur de l'être humain n'est plus agité, soucieux, à aller et venir entre différentes pensées, mais au contraire constant. Alors, de cette façon, il est dit dans cet hexagramme hein, que les amis vont suivre ce cœur constant hein, de l'être humain de la même façon que le soleil hein, va influencer tout ce qu'il y a autour de lui et que tous les êtres vivants hein, vont se laisser influencer par la force constante du soleil. Dans le Dao Tong, l'esprit du soleil, c'est vraiment ce cœur commun qui existe dans un groupe ou dans une équipe qui va entreprendre des choses ensemble. Mon conseil du jour est donc de vous laisser influencer hein, par cette force du milieu du printemps. Et comme nous l'enseigne la World Prophet de la Fondation de la Fleur de Prunier de Taïwan, le cœur doit respecter la doctrine du milieu, car en s'éloignant de la doctrine du milieu, on n'a plus de force. Que la force du milieu du printemps soit donc avec vous. Et si vous voulez en savoir plus sur la signification du soleil dans les caractères chinois et dans la philosophie du Dao Tong, je vous invite à mon prochain cours en ligne le 1er avril. Merci.